on a organisé cette course pour d'abord pour une association caritative et aussi pour le sport pour tous, qu'on pensait que c'était important d'avoir des animations le dimanche matin sur la commune. Oh, je pense qu'on n'aura pas énormément de monde, mais le bouche à oreille fera que je pense que les prochaines fois on aura beaucoup plus de monde. Les gens vont adhérer à cette idée de sport pour tous, de sport pour les autres et de démonstration et d'animation sur la place. C'est le partage avec les gens de la commune pour faire une activité avec les enfants. Voilà, on vient avec les quatre enfants pour faire du vélo. Ok, ouais. Vous savez que ça a un autre but Oui, pour le Dr Clown. Voilà, donc c'était bien pour sensibiliser les enfants aussi à cette cause-là. Vous savez ce que c'est, Dr Clown? C'est les clowns qui viennent à l'hôpital pour les enfants, pour leur amener un peu de réconfort. Bah, disons que je suis conseiller municipal avec Eric Adam et nous avons organisé, enfin c'est surtout une idée d'Eric Adam d'organiser une fête pour le sport, pour faire participer les gens, pour qu'ils puissent faire un petit peu de sport et je dirais dans une ambiance un peu conviviale. Voilà, donc je l'accompagne dans ce projet et je trouve que c'est une très belle initiative. On se rejoint sur le parvis, il y aura de l'eau avec du gobelet pour quand on rentre, et il y aura une démonstration de tir à l'arc sur le mur de la médiathèque. Voilà. Donc je vous dis bon sport et à tout à l'heure. Merci. Ça va? Bien. Pas trop dur? Non, ça va bien. Pas de soleil, très bien. Bon, content de l'avoir fait. Excellent. Beau temps, juste la température qu'il faut, et puis une bonne ambiance, une bonne équipe. Vous n'êtes pas perdu dans le brouillard? Du tout, oui, très bien. Non, mais très bonne ambiance, pour le premier, c'est réussi, c'est bien. Okay. J'incite les Chaponneaux à venir. Ok. Alors les enfants, ils sont contents? Dites-moi un peu. Alors, est-ce qu'ils sont contents? Ils ont eu froid. Parfait. On a fait de la route, des petits chemins, on a découvert Chaponneaux dans la bonne humeur avec des enfants et des adultes. Parfait, sympa pour une première, c'était très bien. Un petit groupe pour la course bien homogène avec des jeunes filles d'une dizaine d'années qui menaient la course et qui étaient toutes les deux devant et on a suivi. C'était un bon moment de solidarité générationnelle.
impeccable, impeccable. Pas trop dur, pas de côte. Super, on arrive. Et le circuit, ça allait. Magnifique. Très bien. Merci beaucoup. C'est une association lyonnaise créée par une infirmière, une ancienne infirmière. On a 20 ans cette année et on est on salarie 15 clowns qui interviennent dans tous les hôpitaux de la région. Le club donc c'est 70 licenciés, moi, presque 70 cette année. C'est des compétiteurs participant sur les concours du championnat de France. Le tir à l'arc, c'est la concentration, la précision, la maîtrise de soi et le respect des règles de sécurité par rapport à soi-même et aux personnes autour. On remet ça pour le 8 novembre. Ouais ouais.